J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la compagnie personne. En fait, je rigole. Il y a Culo et euh, Digibox et aussi Lockdale Frozen. Euh, comment allez-vous, Culo et euh, Digibox Aujourd'hui, les amis, on se retrouve sur Erizi pour euh, la nouvelle map. La nouvelle map, la, la, la reset, si on peut dire ça ainsi. Donc, la V2 est sortie. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter Paul serveur au complet tu sais je vais juste vous présenter un peu ma base à moi et euh, ça va être ça pour le premier épisode euh, je veux vraiment savoir si vous voulez un autre épisode si vous voulez d'autres choses en ce moment les amis je tryhard à mort le cube corps sur coe euh, et euh, je joue la classe barre donc le let's play va être euh, je vais le faire en classe bar la plupart du temps je crois avec un full diam sur moi vu que vous savez vu que je vais avoir le grade youtubeur sûrement euh, cette version ci je vais sûrement me faire Focus un peu plus que d'habitude. Donc ça va être difficile quand même de jouer Bard. Mais je pense c'est un bon défi. Puis ça peut vraiment être intéressant. Sachant que le Bard donne la force 2, etc. Je vais tout vous montrer ça tout de suite après. Euh mais pour commencer je vais faire un petit tour de ma base Donc voilà, euh, vite fait les trucs vraiment importants à, euh, qui ont été rajoutés sur le serveur Donc premièrement vous pouvez protéger vos coffres en faisant un panneau comme ça marqué mode dessus Il y a juste les modes qui vont pouvoir l'ouvrir Ça c'est quand même assez stylé euh, Ça c'est cool aussi, il y a d'autres petits trucs euh, Donc la génération des mines, je vais vous montrer vite fait wow ouais, pareil, La génération des mines qui est comme ça des grosses mines assez grosses euh, a... est ce que c'est bien est ce que c'est mal je sais pas mais c'est il a vachement plus de minerais qu'il y en avait avant et puis euh, ça a quand même assez stylé donc on va vérifier faire, faire fond et euh, on pourra voir il n'y a plus le commande euh, logout comme il y avait avant euh, quand vous vous déconnectez vous vous êtes vraiment déconnecté donc quand vous êtes plus en combat vous êtes dé automatiquement déconnecté par exemple le combat tag il n'est plus 30 secondes comme il était avant il est rendu une minute donc c'est un peu plus long donc ils ont enlevé les, la commande logout mais il aura rajouté un peu plus de temps sur le sur les, les, euh, les combat, tactiques, on peut appeler ça comme ça. Donc voilà, les serveurs tournent aux alentours de 200 coûts si je ne me trompe pas. Dans ces alentours là, euh, il, il lag vraiment pas beaucoup. Là. Il n'y a pas vraiment énormément de lag. Il y a des, petits, des petits, les petits rollbacks, des petits trucs comme ça des fois quand vous êtes en speed 3 avec l'archer. Mais à part ça, ça va. Donc pour les kits, donc on a le mineur que j'ai sûrement en ce moment qui donne Night Vision 2 qu'on peut voir ici avec Ast. Euh, je vais le lancer en bas comme ça il va pouvoir l'utiliser. Le, 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 le Forest vient en bas. Je vais te lancer. Comme ça tu pourras l'utiliser toi pendant que tu mines. Avant qu'il dépop. Ah t'as déjà Ok, bon ben récupule. Ensuite, on a le full cuir. Donc ça prend un petit peu de temps avant que la classe s'active bien entendu les amis. Euh, ça prend exactement 3 secondes. Et donc voilà, la classe est activée. On a un abonné fidèle qui est devant la porte de chez nous. Allez, donc on a euh, speed 3, résistance 2 et comme vous voyez on va hyper rapidement. Il y a des petits rollbacks comme j'ai dit parfois avec euh, le truc comme ça euh, quand on rentre dans un bloc ou quelque chose dans ce style. Mais à part ça c'est correct. Donc ensuite la classe que moi je vais jouer c'est le full goal. Donc comme vous voyez déjà full P1, mon full goal et mon diamant aussi avec mon épée. J'ai quand même vachement euh, joué cette nuit. Euh, je fais quand même ça le troisième jour de l'ouverture du serveur et puis j'en ai déjà tout ça. Puis Surtout grâce à, à moi, parce que les autres, ils n'ont rien fait dans la faction. À part, euh, il y a Digibox qui m'a vachement aidé. Enfin, il m'a surtout donné de la canne à sucre, du sable et un peu de vitre. Et il m'a surtout aidé pour faire la décoration de la base et aller chercher du bois. Donc, un gros merci à lui. Euh, donc, voilà. Ensuite, le Full Bard, comme je vous dis, lui, il a des effets spéciaux. Euh, J'ai pas dit pas dit, mais avec le kit... Euh, T'as du sucre, s'il te plaît, culot donc en gros avec le kit euh, qu'on avait avant, l'archer euh, vous pouvez mettre speed 4 en cliquant sur le, le sucre Comme ça, là, nous ça va nous donner... Euh, sp... ça va nous donner quoi? Speed vous n'avez pas assez suffisamment de power pour activer ah cet effet oui, Ah ouais faut avoir du power Donc faut attendre un peu pour avoir du power pour activer les trucs, ça je savais pas Mais ça maintenant je le sais Donc en gros quand votre yeah. barde, ou peu importe le grade que vous vous utilisez, le, le choix que vous choisissez d'avoir parce que faut, faut se le dire les amis, un, le HF, c'est vraiment un jeu d'équipe. Il faut vraiment être plusieurs quand vous allez PVP. Pas de tout seul contre 10. Parce que les autres équipes vont souvent être 10. Donc le but c'est que vous avez un archer qui tag les joueurs. Et que vous, ça va vous faire 30% de plus de dégâts. Normalement, à l'épée et à l'arc. Si je me trompe pas, culot, tu peux me corriger. Euh, le barde, en gros, il donne force. Et en plus, à tes coéquipiers, bien entendu. Euh, tous ceux qui sont autour de toi. Et aussi, euh, quand tu euh, fais des... Euh, des trucs genre euh, quand tu te mets speed et des trucs comme ça eux tes coéquipiers aussi le reçoivent donc le bard c'est vraiment celui qui est plus genre le mode équipe. Donc euh, celui qui joue le plus en équipe. Donc les séquences PVP, les KOTH, ce le genre de trucs, les amis. Euh, je vais essayer de les record quand même sur ma chaîne YouTube. Mais peut-être qu'il n'y aura pas mon intro devant. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais sûrement le mettre en stream et prendre un replay du stream et directement le mettre sur YouTube. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je vais sûrement, souvent stream sur easy Si ça vous intéresse, venez sur ma chaîne Twitch. Abonnez-vous. Et quand vous jouez en live, activez les notifications. Vous allez avoir une petite notification sur votre portable quand je vais être en live. Et puis euh, ça peut vach vachement être stylé. Donc c'est ce que je vais vous montrer. On est rendu niveau 100. Quand vous mettez ça, regardez maintenant, boum, je suis passé en speed 3. Donc tous mes coéquipiers qui étaient autour de moi peuvent avoir speed 3. Normalement, je suis pas sûr à 100%, mais je pense qu'il y aurait. Tu as eu speed 3, euh, Locke Yep, donc voilà. Mais Culou, il l'a pas eu et les autres non plus, vu qu'ils sont pas dans ma faction. Ils sont dans une autre faction, c'est juste des alliés. Donc voilà. Euh, donc là, on a perdu un peu de trucs, donc il faut attendre. Et quand il est à 100, si je me trompe pas, quand il va être revenu à 100, on pourra le réutiliser. Donc c'est vachement stylé. Et là, il y a DJ. Allez, rentre. Et aussi ils peuvent Weezer euh, tu sais, Ouais ils peuvent avec les oeufs d'araignée si je m'abuse il, il y a tellement de trucs avec le barde. Les, les trucs de fer normalement ils donnent la régénération si je me trompe pas Je suis pas sûr à 100% par exemple Non ils donnent pas, pas sur ce serveur là Mais en tout non, cas il y a les... plein d'items que vous pouvez euh, Utiliser quand vous êtes barde. Et puis je vais essayer de vous montrer ça tout au long de mon let's play Parce que moi je vais vraiment faire un let's play en tant que barde. Ensuite les copains de l'internet euh, le full diam, bon pas vraiment besoin de vous l'expliquer, vous avez déjà vu c'est quoi, quoi un steak one full diam hein, les amis. Euh, le full diam c'est juste pour euh, YOLO quoi, c'est normal, il n'y a pas d'effet dessus. Donc voilà c'est pas mal ça. Maintenant je vais vous présenter vite fait euh, la base. J'ai pas oublié quelque chose sur les nouveautés du serveur. Il y a un nouveau shop, un nouveau spawn. Ben bon à part ça c'est pas tellement intéressant. Je pense que c'est tout à propos des nouveautés. Hein. C'est un HF normal les gars, donc bon voilà quoi. Ensuite notre base, je vais commencer par l'extérieur, donc, ah ah, restez là pédé. Donc en gros on est tout près de, du spawn, on est aux alentours de, ouais, on est à 1700 blocs du spawn On a euh, fait, j'ai fait une petite boîte là-dedans, donc si vous voulez venir faire des donations les amis Et que je suis, euh, je suis, à ma base, vous faites juste, moi je vais être de l'autre côté là, vous pouvez screen comme ça avec moi euh, Si vous avez envie, c'est juste pour pas que je me fasse tuer parce que souvent je suis en barde et c'est quand même facile de me faire tuer donc en gros vous laissez un, un, un item avec votre pseudo, puis moi dans les vidéos, je vais prendre euh, les items et je vais regarder. Oh, par exemple, tu m'as donné un bloc de diamant, je te donne un exemple tout con. Et puis là, tu le renommes en ton nom. Ben, si je vais pouvoir le voir et puis je vais pouvoir te, te remercier, etc. Vous allez pouvoir avoir une dédicace voilà. C'est ce qui est marqué ici avec les informations. Vous avez une petite plateforme, vous lancez vos trucs ici. Par exemple, je lance mon panneau ici. Il va aller dans les coffres en bas et là, moi, je vais le récupérer. Donc voilà, en gros, on a fait une base à deux étages, mais ça sert servait pas un peu à rien, la deuxième étage. Malgré que, bon, est, pour l'instant, on, on va le garder, mais euh, ce ne sera pas notre base finale. On va vraiment la modifier, on va l'agrandir, on va faire plein de trucs stylés. On va surtout faire une base sous terre. C'est plus genre un point de repère, surtout le deuxième étage, pour voir euh, s'il y a des joueurs qui arrivent autour, etc. L'étage ici, c'est bon pour sortir, etc. Et puis après, on a la mine ici. Donc, euh, je vous ai déjà montré en bas la mine générée, mais c'est un drop vers une mine. Ensuite, comme je vous ai montré, vite fait, l'étage au-dessus, a rien. Ensuite... Euh, la salle de drop donc voilà bon, là ici je peux aller récupérer mon panneau qui doit être quelque part ici, mon panneau il est là donc voilà il me faudrait juste un autre trapé de chess, mais bon j'ai rien pour le crafter donc faudra que j'attende faudra que je mette aussi un hooper j'ai pas j'ai tué ouais j'ai encore assez de bois faudra juste faire un autre hooper pour euh, relier le troisième coffre au milieu celui-ci donc ensuite table de craft euh, table d'enchantement, table de craft voilà petit champ canas sucre, les trucs de virus qui poussent pas du tout faut mettre de la lave pour qu'ils poussent c'est très important les amis juste un conseil si vous écoutez la vidéo Ensuite on a décidé de faire une autre salle aussi en bas comme on avait fait à la map 1 donc en gros boum vous sautez ici et vous allez avoir une autre salle donc euh, ici qui euh, est en train de travailler sur une euh, salle des coffres. Donc euh, voilà. Et ici on va sûrement faire euh, le champ de canne à sucre, le champ de virus. Et ici euh, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on mettra. Mais voilà on va mettre le champ de canne à sucre, champ de virus de chaque côté ici. Euh, voilà on va faire ça sûrement dans les prochains jours. Je vais pas vous faire une euh, pastèque, pastèque. Voilà merci Locke tu m'as euh, rappelé. Donc en gros qu'est-ce qu'on va faire c'est que je ne vais pas faire un genre, let's play suivi. Je vais juste vous tenir au courant. Quand il y aura des trucs sympas qui vont se passer, ben, on va le faire ensemble. On va sûrement aussi faire une trappe. Donc à partir de la haut de la base, par exemple F1 On va faire un système avec une trappe genre où on peut coincer les gens, etc. Comme Paintful fait ou Never Say Yes fait sur HC Team je crois tu sais. Donc voilà je suis un big fan de Paintful PvP et puis des autres. Donc voilà on va faire ça. On va peut-être faire une arène 1v1 Mais je pense pas qu'on va vraiment faire ça vu que je pense que Léo Lalo en fait déjà une. Donc voilà ça servirait un peu à rien. Ce serait genre full copié. Donc voilà ça sert un peu à rien. Mais s'il en fait pas c'est clair qu'on va en faire un, nous. Comme ça on pourra faire des 1v1 contre les abonnés. Puis ça on pourra faire des épisodes full 1v1. Ça peut vraiment être Stylé. même si je meurs je m'en fous les amis j'ai jamais comme je te dis je suis pas super bon pp moi je suis juste là ici pour m'amuser et puis euh, je trouve ça quand même assez stylé qu'on puisse euh, enfin avoir un serveur hf quand même de bonne qualité en france donc voilà euh... je vais juste inviter, inviter mes amis euh... donc voilà c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire les copains et puis, euh, je vais vous retrouver pour euh, l'épisode numéro 2. Ça va être une aventure dans le nether. faut aller chercher justement des blaze powder. Euh, des blaze rogue, des blaze powder. Et plein de trucs pour faire les potions, justement. Parce qu'on aura besoin pour le premier KOTH qui aura lieu demain, si je m'abuse. Donc, euh, j'essaierai de vous faire un petit stream mercredi vers autour de 17h, 18h. Donc, voilà, les amis. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Allez voir la chaîne de culo de G-Box et de Lock and Frozen. Si les trois chaînes seront dans la description. Ou si les trois me, donnent, me les donnent. Et puis voilà les amis c'est tout ce que j'avais à vous dire Un gros merci d'avoir écouté la vidéo C'était Iconz On se dit à la prochaine Allez ciao ciao